Regardez un peu la puissance des alliances humaines. Moi, je sais très bien que mon ethnie, là, dans mon pays d'origine, fait alliance avec une autre ethnie. Je vais vous assurer de quelque chose. Même s'il y a mort d'homme, ils s'asseyent, ils s'entendent. Il n'y a pas de punition. Je sais de quoi je parle. Je connais quelqu'un qui a marié une femme et son ethnie est en alliance avec une autre ethnie. Et cette femme-là, après un an de mariage, elle a trompé son mari avec un député. J'étais présent. Il y a alliance entre les deux peuples. Ils ont mis, le procureur de la République a mis la main sur le corps à la morgue. Si le corps ne sort pas, il va faire emprisonner tous ceux qui sont sur, qui sont incriminés. Vous comprenez très bien. Ils ont appelé les chefs. J'ai dit j'étais présent, on ne m'a pas compté. Ils ont appelé les deux chefs, se sont rencontrés. Appelé les familles, les deux familles du monsieur, de madame, et puis maintenant les notables des deux côtés. Ils ont commencé à parler. C'est là que j'ai vu la puissance de l'alliance. J'étais assis, j'écoutais tout. J'observais tout ça, c'était en 2008. J'écoutais tout. Cette mort-là de la femme, parce que le monsieur s'est suicidé pour ça. C'est sorti dans les journaux de mon pays. Oui, oui, c'est une affaire très sérieuse. Et donc, en temps normal, c'est quelque chose qui est impardonnable. Ils ont commencé à parler et ils ont mis l'alliance au milieu. J'ai dit, ils sont quittés là avec pardon. Aucune sanction. C'est ça la puissance de l'alliance. Quand la parole de Dieu dit nous sommes en alliance avec Dieu, ça dit il y a un contrat que Dieu a signé avec nous. Et ce contrat-là, il a dit voici ce que moi je ferai pour vous. Tu ne peux pas perdre. L'alliance, c'est une victoire individuelle. Ce n'est pas une victoire collective d'abord. C'est une victoire individuelle. Et ensemble maintenant, ça devient une victoire collective. Donc l'alliance est un mystère. Toute la puissance de Dieu se déploie dans son alliance.